Voici les mouvements que nous allons apprendre aujourd'hui. Lors de la rotation de la taille, après avoir écarté les mains, la lance descend. On lève le talon du pied gauche et le pied avant se pose au sol. La pointe du pied droit est légèrement ouverte et le genou fléchit. Nous commençons avec lever le genou, tourner le corps et piquer en bas. On écarte les mains, la pointe vers le bas, puis on décrit un cercle vertical avec la lance et en même temps on lève la jambe gauche. On tourne le corps et on finit en pas assis en piquant en bas. Levez le genou, tournez le corps et piquez en bas. Lors de la position assise, il faut faire attention à poser le pied bien droit, le dessous de pied posé sur le sol. Puis les fesses viennent se poser sur les talons. C'est la position assise. La lance doit piquer horizontalement. Bien. Revoyons la rotation de la taille. Vas-y, refais-le. Lors de la rotation de la taille, après avoir écarté les mains, la lance descend. Elle décrit un cercle vertical, puis on lève le genou, la lance descend et on tourne le corps. On commence par pratiquer lentement. Et on pique. Allez, encore une fois. Le prochain mouvement, trembler en pas croisé. On se relève, on tourne le corps à droite, on tire la lance à l'arrière et on fait un pas croisé en même temps. Trembler en pas croisé. On se relève, on tourne le corps à droite et on fait trembler la lance en pas croisé. Attention, lors du tremblement, la pointe doit décrire une courbe vers l'extérieur. La main droite doit enrouler vers l'intérieur afin que la pointe décrive une courbe vers l'extérieur. Puis la main gauche, après avoir soulevé, se fixe. Le corps est un peu tourné. On lève le talon du pied gauche et le pied avant se pose au sol. La pointe du pied droit est légèrement ouverte et le genou fléchit. Bien, refais-le une fois. Levez le genou, tournez le corps et piquez en bas. Il s'agit d'un mouvement d'attaque. Le but est d'attaquer un adversaire dans son dos. Lors de la pratique, on peut installer une cible pour s'entraîner à piquer. Trembler en pas croisé. On doit passer de la douceur à la tension au bon moment pour sortir la force subitement. Lors du pas croisé, les jambes doivent être bien stables.
Avancez en position du demi-cavalier et appuyez. D'abord, on fait la position de l'arc et on avance en piquant. Puis, on tire la lance vers soi. En même temps, on avance et on appuie avec le manche devant en avançant. On est en position du demi-cavalier. Pratiquons ensemble, avancez en position du demi-cavalier et appuyez. Le prochain mouvement pour fendre en position assise. La main droite empoigne la base du manche, on brandit la lance au-dessus de la tête, en même temps on tourne le corps à droite et on descend en position assise tout en pourfendant. Pratiquons ensemble pour fendre en position assise. Avancez en position du demi-cavalier et appuyez. Appuyer avec la lance était un puissant mouvement utilisé sur les champs de bataille, lorsque les généraux à cheval appuyaient avec la pointe sur les armes adverses pour les neutraliser. C'est un mouvement qui presse l'adversaire. Ce mouvement exige une grande force de bras pour l'assaillant. Pourfendre en position assise. Dans ce mouvement, on pourfendait la tête, les épaules ou les bras de l'ennemi. Lors du mouvement, les bras ne doivent pas être trop tendus. Le coup du retournement à cheval était un mouvement fatal consistant à se retourner brusquement pour piquer à la gorge de l'ennemi. Il a été inventé par Liu Fei, célèbre patriote et général chinois de la dynastie des Song du Sud. Liu Fei avait des habiletés martiales hors du commun. Fidèle serviteur de son pays, il a amené des troupes pour repousser l'envahissement des armées de la dynastie des Qin de Jurchen à maintes reprises. Il a tout donné pour sauver son pays de la défaite, mais il a finalement été exécuté à cause de notables corrompus sous le motif qu'il représentait une menace pour le trône. Après sa mort, Yue Fei est devenu un modèle de loyauté dans la culture chinoise. Les Chinois ont ainsi construit de nombreux temples à sa mémoire de partout dans le pays.
pratiquons ensemble tous les mouvements appris dans ce cours. Enfin, voici l'ensemble des mouvements des deux premières parties de la forme de la lance. Pratiquez bien de votre côté, on se retrouve au prochain cours.